Alors, on va vous faire, pour savoir un peu mieux qui vous êtes, on va vous faire une interview psy. On ne bouge pas pendant le jingle. Est-ce que vous êtes mégalo ? Oh non, pas du tout. Non. Vous êtes mytho ? Non plus. Vous êtes parano ? Non plus. Schizo ? Oh, je crois que ça, tout le monde est un peu ça de temps en temps. Enfin, bon, moi, je suis un peu sain quand même. Ouais. J'ai beaucoup de défauts, mais... Le fait d'être cyclo, c'est par définition un peu schizo. Ouais. C'est cyclo un peu. Oui, ouais, cyclo. Oui, il est cyclo. Oui. Donc, c'est schizo, une forme. Vous êtes maso ? Non, non, pas du tout. Vous n'aimez pas qu'on vous fasse mal ? Ah non, non. Ah bon ? Ah mais, il y a pas de mal. Je trouve ça con, vraiment, alors là. Il y a des gens qui adorent ça. Vous oui, savez. Oui, pareil, oui, mais alors ça, alors là, ouais. Vraiment, alors là. Ça vous plaît pas, vous ? Oh, alors là. C'est insensé, c'est tellement con. Ouais. Enfin bon. Est-ce que vous êtes sado ? Sado, non plus. Vous n'aimez pas faire du mal. Mais non, mais bon, moi j'ai pitié d'un poulet, je ne comprends pas. Mais non. Mais... Est-ce que vous êtes homo ? Homo ? Ah non, non, non. Ah non, non. Ah mais tout peut arriver. Tout peut arriver, enfin, tout peut arriver. Quand vous étiez petit au Maroc. Ah pourquoi vous dites ça ? Pour bricoler. Et puis au français aussi. Vous avez dû avoir des propositions. Oui. Eh bien, au français, je vais vous dire. Donc, je ne me suis jamais fait en papaouté, si vous voulez que je vous dise. C'est un peu verdun de ce côté-là. Mais il y avait beaucoup, d'homos français, des gens qui avaient beaucoup de talent. Et on a les noms, c'est dans les livres. Les homos, vous savez, ils ont tendance à vous féminiser. Et on m'avait féminisé lors d'une tournée, parce que j'étais avec... On vous appelait La Galabru. Non, on m'appelait, parce que c'était Robert Hirsch, il avait beaucoup d'esprit, et il m'appelait Rosa Pichon. Oh non. Si, et Rosa Pichon, eh bien, vous savez... On se sent un peu femme à ce moment-là, si vous voulez savoir. Donc c'est pas aller plus loin. Non, 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 non. Vous en êtes resté à Rosa. Bon. Non, non. Est-ce que vous êtes gros lolo ? Gros lolo ? Ah oui, 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 gros lolo. Au revoir. Ah non, ça n'a rien à voir. On peut être... Oui. Je suis aussi petit lolo. Ah. Hein, je suis lolo complet. Voilà. J'adore ça, je trouve c'est extraordinaire et je regrette de ne pas en avoir. Quoique... Bah, quoique. Oui. Hein. Est-ce que vous êtes trio ? Trio ? Ah, attention, mes enfants, je ne veux pas être faudère. Dans mon temps, à l'époque, trio, j'ai goûté. Quoi. Ah ouais. C'est pas mauvais. Mais avec deux femmes, hein, pas un autre mec. Ah, non, non. Est-ce que vous êtes exibo ? Non. Pas du tout. Exibo, un acteur est toujours exibo. Oui, non, mais, c'est ces noms en eau qui me gênent. Ah, ben non, mais c'est le principe de cette interview. Mais je comprends bien. Michel Galabro. Galabro, voilà. Est-ce qu'il y a aucun film, on le voit à poil. Non, c'est vrai. Si, il y en a un, mais vous l'avez loupé. J'étais figurant dans la bataille du feu, excusez-moi, sur les pompiers. Et on passait le conseil de révision. Donc, comme j'étais figurant, on nous a mis tous nus. Et moi, j'ai eu le malheur de me trouver juste à la porte du médecin. Donc, pour raccorder, on m'a laissé là toute une journée, tout nu, avec la script qui dotait tous les détails. Travelot, vous êtes Travelot ? Non. Vous n'avez jamais essayé ? Dans la cage aux folles, j'ai été un fan. Très beau Travelot. Et comme ce fameux acteur, là, Hugo Tognazzi, devait me rouler une pelle. Ouais. Et il a refusé. Pourquoi ? Il a dit en me voyant, « Que horror !» Je l'ai très bien compris. Est-ce que vous êtes Rocco ? Rocco et ses frères ? Rocco ? Non, Rocco Siffredi. Hein ? Rocco Siffredi. Rocco Siffredi ? Oui. Hein ? Qu'est-ce que vous connaissez pas Rocco Siffredi ? Non. Vous connaissez pas Rocco Siffredi ? Mais non, je me suis prêt de m'excuser, mais je suis... J'ai jamais eu un poney à la campagne ? Non, qu'est-ce que c'est Rocco Siffredi ? C'est pas se taper un poney ? Ah non, 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 non. Ah, vous m'effrayez un peu tout, ça. C'est un type qui est monté comme un âne. Ah non, ah non, 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 non. Non, non, j'ai pas de détails à vous dire, mais c'est pas Rocco. C'est pas Rocco. C'est Poco. Ah, c'est Poco, c'est voilà. Bien. Est-ce que vous êtes Adamo ? Ah, j'adore Adamo. Est-ce que vous êtes Disco ? Oh, non, c'est plus de mon âge, je crois. Bah, essayez. Je vais essayer. Michel Galabru, raconte Guitry chez Flammarion. Bravo.